Salut à tous les amis Saltis, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve aujourd'hui sur eFootball. On va faire un peu de ligue aujourd'hui. Let's go. Et j'étais en train de regarder mon équipe. On va partir avec la même équipe que hier. Vous avez vu, j'avais changé ma défense. On va partir comme ça, je pense. Et puis, on va voir ce que ça donne. Hein. On va voir ce que ça peut donner en ligue. On va continuer notre ascension. Je crois qu'on est passé en division 2. Donc, les matchs vont commencer à être un peu de plus en plus durs. Comme d'hab, vous connaissez. Je vais débloquer un truc là, ce sera quoi? Je me rappelle même plus ce que c'était, mais il commence 50 000 GP. Ok, bon, c'est pas dingue, mais j'ai besoin de GP en ce moment. Donc c'est pas mal du tout. Et bah ouais, n'hésitez pas à mettre un like à la vidéo. On est bientôt à 10 000, là on est très très proche d'arriver aux 10 000 abonnés. Donc n'hésitez pas aussi, si vous êtes là et que vous n'êtes pas encore abonné, bah, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si on peut faire grandir la chaîne en mettant des pouces, n'hésitez pas. Je suis en 11-1, putain c'est cool, j'ai fait 16 matchs, j'en ai perdu qu'un. Franchement, pour l'instant, c'est un gros début de saison. C'est hyper rare que je fasse ça. Hein. Franchement, des débuts de saison comme ça, c'est super rare. Je voulais mettre un petit combativité à Neymar. Est-ce que j'ai un combativité qui traîne en transmission de savoir? Je vais juste regarder ça. Je crois que j'en ai pas, en vrai. Hein. Mais on va quand même regarder. Ouais, j'en ai un sur Giroud, mais ça va, non. Laisse tomber. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va partir avec Mbappé. On a Léao au cas où en... Ah, on peut mettre Pedri aussi en MO, qui est incroyable. La carte de Pedri, elle est quand même folle, hein, celle-là. Elle est assez folle, hein. Honnêtement. Quelle technique il a, Pedri, c'est assez fou. Alright, c'est parti les amis, on est en division 2 et c'est parti. N'hésitez pas à checker Games Go, lien dans la description, comme d'habitude, pour faire baisser le prix des comptes Netflix, Crunchyroll, maintenant il y a ChatGPT, etc. Ça marche bien et code Altis, c'est un code promo ALTIS qui vous permet d'avoir encore une petite réduction, en plus des grosses réductions qu'il y a en utilisant ce service Games Go. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour aller voir si ça peut faire baisser vos prix d'abonnement. Allez, on va chercher un match et puis on se retrouve pour le match. Dernière journée de Ligue 1. Aujourd'hui, dernière journée en Première Ligue. Dernier match de Jurgen Klopp avec Liverpool. Il y a plein de news foot là. Est-ce que Manchester City va gagner le titre face à Arsenal? C'est ce qui logiquement devrait se passer, mais on ne sait jamais si Manchester City venait à perdre contre West Ham, je crois, qui joue. Et Jurgen Klopp qui va faire ses adieux à Liverpool. Ça va être émouvant, je pense. On a eu les adieux de Marco Reus hier à Dortmund aussi. C'est la période des adieux. On a eu l'adieu d'Mbappé au PSG et on joue le 690e qui s'appelle Ginger. C'est parti les amis, allez, j'espère juste que si on a un match dur, qu'au moment où on va perdre, ce sera pas parce que c'est un match scripté de ouf. J'espère juste qu'on va jouer contre un mec plus fort et qui va me battre et que ça se passera comme ça. Alors qui est, on a Courtois qui est en super forme. On va mettre Courtois. Beckenbauer en forme, ça c'est cool. On a du Messi Ribéry en forme aussi. Bon, du Ribéry, on est obligé vu qu'il est en super forme. Je vais mettre Moussiala. Et on a Léao qui pourra rentrer en mode Joker ultra en forme. J'ai remis Maradona, j'ai rechangé sa carte, je l'ai mis à 101. Je l'ai remis comme ça, comme on pourra l'utiliser aussi. Bah écoutez, on va partir comme ça. On va voir l'équipe adverse. Qu'est-ce qu'il a? Oh, ok. Oh, j'étais là. Ok. Alors là, il y a le Rummenigge de l'enfer. C'est le Rummenigge très, très chaud, celui-là. Celui-là, il est très, très dur à battre. Ce Rummenigge, parce qu'il court très, très vite. Il frappe bien. Dès qu'il frappe, il y a but. C'est un enfer. Donc là, il va falloir faire vraiment attention. Hein. Il a Rijkaard en défense. Thuram à gauche. Waouh. Bergomi. Waouh. Ça va être un combat, je pense, de marquer un but contre lui. Hein. Grosse équipe. Après, on sait jamais. Parfois, c'est... Vous savez, parfois, il y a des matchs où c'est juste pas dur, en fait. Vous comprenez pas trop. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parti, les amis. Let's go. On va voir ça. J'ai hâte, justement, de savoir ce que ça va donner, ce match. Allons-y. Allez. Ça met du temps à charger. Waouh, il y a une connexion éclatée ou quoi? Je crois que j'étais à domicile, là, quand ça met longtemps à charger, ça veut dire que c'est, je sais pas, il est loin lui, non?
Allez, c'est parti. On espère faire un beau match de foot. Waouh, ça met tellement de temps à charger. Putain, mais c'est quoi ce délire là? Oh là là, eh, ça va être une. Je peux toujours pas faire la passe? Attendez, mais. Ah, voilà. Ça commence bien. Ça commence bien par juste un dégagement en l'air. Bon, le Thuram. Oh là là. Et ben voilà, on joue contre qui? Vous avez vu contre qui on joue? Voilà. Et regardez, il va avoir une occasion en plus. C'est ça qui est dingue. Deux ballons, deux dégagements en l'air n'importe où. On est bien. On est bien, on est bien. Allez, let's go. Il va falloir de la motivation pour ce match. Oh, dommage, Mbappé, il l'avait. Presque. Mbappé. Dommage. Allez, troisième dégagement en l'air. C'est déprimant, c'est déprimant. Là, ouais. Allez, on va se concentrer sur le match. Vous savez quoi? Concentrons-nous sur essayons de gagner ce match. Non, qu'est-ce qu'il me fait comme passe, lui? Faute. C'est bizarre, on dirait qu'il n'y a pas mieux de terrain dans son équipe là. Oh, sa défense est maxi costaud, vraiment genre de ouf. Oh là, vous avez vu l'appel qu'il fait, comment il me met dans le vent alors que. Oh non. Wow, c'était chaud, j'ai eu de la chance là. Avec la balle contrée, c'était très très chaud. Voilà, oh, mais l'appel, Roumenigue, c'est incroyable ce qu'il fait faire aux défenses. Il a fait la défense s'écarter. C'est Jésus, il est. Voilà, ok. Genre la défense s'écarte devant lui, c'est un truc de ouf. Oh là là, c'est super dur de passer, je vous assure. Non, pas là. Oh, qu'est-ce qu'il me fait, sérieusement? Oh là 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 là, ce qu'il m'a raté, c'est un truc de ouf. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire parce que j'arrive pas à passer. Sa défense, elle est ultra costaud là. Oh le tac. Et c'est bon là. C'est sérieux le tac là? Oh lui, il va s'énerver vite par contre. Si j'ai la balle tout le temps, il va s'énerver de ouf. Oh là là, sa défense. Mais. Sa défense est dingue, mon gars. C'est un truc de ouf. Elle se place trop bien, sa défense. Ah, c'était nul, cette frappe. Je voulais la mettre en puissante. Hein. Il l'a pas mis en puissante. C'était mort. Un dégagement. Et regardez, mes milieux reviennent pas. Regardez, regardez. Ça, c'est dingue quand ça fait ça aussi. Mes milieux redescendent pas alors qu'ils sont là, quoi. Oh là là, il l'attrape. Oh putain, mais c'est dingue. Aïe, 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 aïe. Alors lui, bon, on va attendre un peu. Ah quand même, ouais, il m'avait fait un sacré tacle méchant. Hein. J'arrive pas à avancer en fait parce que son IA est trop forte en fait. Ses joueurs sont super forts. C'est super dur de passer le milieu de terrain. Je sais que ça va tourner en fait. Il faut pas que je prenne de but. Ça va tourner. Je vais avoir un moment où je vais passer. Mais c'est juste là, il faut que je tienne pour l'instant et que je prenne pas de but. En gros, c'est être ça l'objectif en vrai.
Et là, vous avez vu, son IA, je peux rien faire. Genre, vraiment, c'est un truc de fou. Il est trop fort. Son IA est trop, trop forte. C'est pour ça, faut pas que je m'énerve. Regardez, regardez, son Viera. Il revient tout seul prendre la balle. C'est un truc de fou. Donc, pour l'instant, voilà. Oh, il fait des fautes. Oh, il est... Mais lui, il est d'un... Mais immonde. Il est nul. Mais un point, mais... Il fait que... Allez, Ribéry, vas-y. Dommage, il me fait un centre de merde. Allez, ça va commencer à passer, les gars. Ça va commencer à passer. Dommage, dommage, dommage. Je pensais que j'avais marqué, honnêtement. Ça va commencer à passer. Il a pas mis les buts dans son momentum. Je vais commencer à avoir des occasions, c'est sûr. Dommage. Oh, allez, allez. C'était nul là ce qu'il a fait, bizarre. There will be 1 minute at a time. Oh non, comment il rate son centre, Baggio, t'as pas le droit, c'est un centre... Enfin, je veux dire, pour Baggio, c'est faisable ce centre quand même. Aïe, 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 aïe. Allez, c'est à moi maintenant de prendre le truc en main et d'aller marquer là. C'est à moi d'essayer de tenir. Il est immonde. Quand je vous dis immonde, c'est que je crois qu'on peut pas moins bien jouer au foot que lui. Il est dégueulasse. Il est d'une nullité, le mec. C'est... Tu lui enlèves son équipe, Minégueux, machin. Le gars est nul. Oh, il y a carton rouge là, je suis désolé, c'est un tacle en arrière comme ça. Mais un rouge, mais t'es sérieux? Il me détruit en tacle par derrière le gars, mais c'est un truc de fou. What the fuck, je suis choqué qu'il n'y ait pas rouge quoi. Incroyable. Pourquoi là il l'a pas aimé? Ah, sa défense, elle est trop, trop chaude. Vraiment, c'est chaud de ouf. Ah, elle se place trop bien. C'est vraiment dur. Hein. Oh là là, il a de la chatte. Allez. Une petite occasion, là. Allez! Oh, dommage encore. Oh, mais c'est incroyable cette défense. Thuram, il est tellement fort physiquement. Tu peux pas le toucher en fait. C'est. Oh, dommage, 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 Mbappé. Regardez ça comme il joue, mais il est horrible. Il est à vomir, ce joueur. Oh, mon Dieu, mais comment il peut être classé 600e à ce jeu? Mais c'est infâme de laisser des gens comme ça être classés 600e. Lui, il doit être dans les bas-fonds du classement, ce type. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. On va faire jouer Messi à la place de Baggio. On va mettre Mbappé, je pense. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je pense que Léao à gauche, là, ça peut faire une dinguerie. Là. On va le mettre à IG. On va essayer d'aller chercher la victoire contre lui. Il est
Mais genre, c'est le prototype du pire joueur méta. Il est dégueulasse. Ah, Thuram a pris un jaune, Rijkaard a pris un jaune. Donc on va essayer de capitaliser là-dessus. Oh non, mais t'es sérieux? Comment il attrape ça? Oh, et moi j'attrape pas celle-là, bien sûr. Regarde, son IA attrape tout. Putain, c'est vraiment un délire. Son IA est trop forte, les gars. Qu'est-ce qu'il me fait cette passe de merde là, Rijkaard? Non, y a rien. Attention parce que les coups francs là, c'est dangereux hein, pour le coup. Ça, c'est dangereux. J'aime pas ça là. Oh, j'aime pas ce coup franc, les gars. Il est bien placé hein, pour le marquer là. J'aime pas ça du tout. Hein. Ok. Il a Ronnie, il a Romario. Le mec, il a tous les joueurs. Hein. Oh, regarde ça! Oh, je suis choqué. C'était la pire des pires celle-là. Oh! What? Non mais donnez-lui le but tout de suite en fait, c'est incroyable. Oh, mais lui c'est un fils de... Oh, mais lui c'est un fils de... Mais vraiment, et il prend que des jaunes, l'arbitre il lui met pas de rouge, il fait que des tacs par derrière, c'est... Il est à vomir. Il m'a blessé Moussiala, waouh, c'est rare quand même qu'il y ait des blessés comme ça. Hein. Il est à gerber ce mec. C'est le pire adversaire. En fait, je crois qu'il cumule tout ce qui est horrible sur le jeu. C'est incroyable. Même si je perds un 0, en fait, je m'en fous. C'est juste, mais il est tellement dégueulasse ce mec. Il cumule vraiment tout ce qui va pas sur le jeu. Il cumule le jeu méta horrible. Il cumule. Il fait que balancer tout le temps. Oh, dommage, je l'avais. Oh là là, il mérite tellement de se le prendre. Il cumule tout ce qui est immonde dans ce jeu, vraiment. Oh là, vous avez vu là comment je dois lui prendre la balle 3 fois? Mais c'est incroyable! Oh là là, mais franchement, mais c'est ce jeu, ce jeu, ce jeu! Le jeu, réveille-toi et laisse-moi gagner ce match. Il est trop mauvais. Il est nul. Il est extrêmement nul. C'est incroyable. Je peux rien faire. Je vais me faire prendre la balle. Je peux rien faire. Faut que je balance devant. Je peux rien faire. Vu le momentum qu'il a là, je peux rien faire. Il faut que je balance devant. Il va le mettre à son goal, ce bouffon. Bah, c'était sûr. J'aurais pu l'avoir tellement il est nul. Et prévisible. C'était sûr que. Oh là là. Mais il est à vomir. Mais quel joueur immonde! Oh. Oh. Mais la chatte qu'il a! C'est incroyable! Oh là là, non. Faut que je dégage, je vais me faire baiser. Hein. Il fait que des fautes, en plus. Alors, où est-ce que je joue ça? Par contre, j'ai pas besoin d'écarter en fait. On peut jouer comme ça. Je sais pas comment le tirer, les amis, ça. Non. Oh mais c'est pas possible. Son Gullit là, c'est incroyable. Mais sérieux? Tu peux pas faire une passe, c'est un truc de ouf. Ah, c'est moi qui ai mal joué là.
Allez! Oh, il y a hors-jeu! Non! J'avais trop l'occasion pour marquer! Je suis deg! Oh, le hors-jeu! Oh, il n'y a tellement pas hors-jeu! T'abuses le jeu! Oh là 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 là! Allez, il faut marquer! Allez! Non! Vous avez vu, il était tout seul! Oh, le jeu vient de le sauver, mec! Non, mais... C'est incroyable! Mais... Mais... Le jeu le sauve, il est éclaté, il est nul! Oh là là, le script l'a tellement sauvé, comme il est mauvais, c'est... Le pire joueur, je sais comment je vais appeler la vidéo, c'est le pire joueur AFC Prosecco, c'est le pire joueur qui existe sur ce jeu. J'ai jamais vu un mec aussi dégueulasse, c'est incroyable. Bon, j'ai pas perdu, donc ça c'est cool. Par contre, vous voyez là, je commence à faire des matchs nuls, je sens que ça sent le, ça sent le script horrible. Mais en tout cas, lui, il est immonde. Genre, c'est vraiment genre... Et en fait, c'est là, c'est quand vous jouez contre des mecs comme ça que vous vous dites ouais, « ça sert à rien de jouer à ce jeu ». Franchement, c'est vraiment quand vous jouez contre des gars comme lui que vous avez l'impression de perdre votre temps. Parce que si lui, il est 600e, c'est que le jeu va pas bien. Enfin, franchement, il aime pas le foot, il connaît pas le foot, il déteste le foot. Regardez ça, il est horrible et pourtant, il est 744. Il a perdu des places là à cause de ce match, mais voilà, avec son équipe en fait... C'est là où tu vois que le jeu est pay to win. Regarde l'équipe qu'il a et regarde comment il ne s'est pas joué. Et regarde qu'à la fin, il est sauvé deux fois. Vous avez vu deux fois, la passe en profondeur, elle doit passer. J'ai un mètre d'avance et son défenseur revient. Tu ne sais pas comment. C'est un truc. Il fait des fautes, des tacs par derrière. Il n'y a jamais rouge. Enfin, c'est incroyable. Genre, vraiment, c'était incroyable. C'est le pire joueur. Honnêtement, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je pense vraiment que c'est le pire joueur que j'ai jamais joué sur ce jeu. Au niveau du style de jeu et tout, il y a tous les centres à land que j'ai eu et tout. Lui, non, c'est vraiment le pire. C'est le pire. Bon, bah écoutez, je vous dis ciao à tous les amis. On se revoit très bientôt. C'était Altice. Gros bisous. N'oubliez pas le petit pouce. À plus.